Nutrition et Santé a été fondée en 1972 pour la reprise de la marque Gerblé. On fabrique des produits sans sucre, sans viande, pour des marchés comme la diététique, le sport ou la masseur, sur des marchés à la fois français mais aussi à l'export. Nous exportons dans 38 pays. À la fondation, il y avait 8 personnes qui travaillaient dans la société. Maintenant, il y en a 1600, essentiellement en Europe mais aussi au Brésil. On a été racheté en 2009 par un groupe japonais, Otsuka Pharmaceutical. Otsuka Pharmaceutical nous a ouvert de nouveaux horizons, en particulier avec le marché japonais. Le Japon nous a imposé des règles différentes de celles de l'Europe, beaucoup plus exigeantes, en particulier sur le marquage. En Europe, c'est quelque chose de légal, mais en cas de problème, ce n'est pas gravissime. Au Japon, c'est une cause de rappel. Jusqu'alors, le marquage était une fonction standard. On n'appliquait pas de système de contrôle particulier, juste un contrôle statistique. À partir du moment où on a pu vendre des produits au Japon, le contrôle 100% est devenu une exigence particulière qui a entraîné une surconsommation de main-d'œuvre sur nos lignes et donc des coûts importants. On a donc recherché une solution pour automatiser ce contrôle et le rendre complètement fiable et non dépendant d'un humain. On s'est tourné très vite vers Marquem Image. Et à ce moment-là, ils nous ont proposé la solution Marquem Read, basée sur d'abord un marqueur type 94-50 jet d'encre, derrière une caméra Coinex, le tout connecté au logiciel Colos. Le signal est donc envoyé au marqueur et le même signal est envoyé à la caméra. C'est l'information qui est issue directement de l'ERP qui est marquée et contrôlée. Nos lignes de fabrication ont en général trois systèmes de marquage. Le premier sur le film souple type jet d'encre avec une 94-50. Derrière l'étuyage, aussi une 94-50, et c'est là qu'on utilise les systèmes Mark & Read de contrôle marquage. Puis en fin de ligne, les MI 2200 pour faire de la dépression des poses d'étiquettes sur les caisses de regroupement. On a commencé donc en 2012 à utiliser le système Mark & Read. Aujourd'hui, 6 ans après, c'est un système qu'on démultiplie, qu'on systématise quel que soit le projet, que ce soit pour un marché japonais ou comme pour un marché européen. Et on a quand même un système qui est maintenant presque plug and play.